Salut tout le monde et bienvenue ce soir pour la suite de notre campagne sur Heavy Genius 2 avec Ivan Leroux. Nous sommes à notre seconde session de stream. On va reprendre tranquillement cette partie qui s'annonce très haletante avec Ivan Leroux, notre ami communiste, on va dire entre guillemets. Et on va reprendre où est-ce qu'on en était par rapport à hier. Alors, déjà. Ah, j'aime bien le système qu'ils ont fait. Alors, je vais déjà mettre en pause 2 secondes. Voilà. Donc là, on va reprendre où on en était. Alors, on était en train de préparer un coup d'état, de récupérer nos effets personnels. On a une quête à faire. On doit secourir nos soldats loyaux. Ils sont 3. Nos officiers sont encore 2. On a un traître à exécuter. On doit recruter jusqu'à 60 sbires et tuer les soldats, qui sont au nombre de 5. C'est quoi? C'est eux? Oh. On va faire attention à ces gugus-là. Ils sont 5. C'est eux qu'il va falloir éliminer. Alors déjà, parce qu'on roule pas sur leur nom plus, c'est ça qui m'ennuie à l'heure où on parle. J'ai oublié de couper mon son de mon autre ordi. Je le fais trimer un petit peu ce Gugus aussi, hein. Il est pas encore mort. Alors, on n'a pas de plan annexe ici. On a différents trucs. Alors 50 000 dollars ici, 25 000 ici et un élément de butin. Alors déjà on a une partie de notre quête qui est là, donc à savoir éliminer tous les agents. Et là, enfin tous les agents, tous les gars. Alors déjà on voit qu'il y a des gars qui tentent de s'introduire. Alors c'est quoi le problème là? Un peu full power. Je vois où est aussi notre ami I'm listening. Notre ennemi Eli Barracuda Junior. These fools need to make like a tree and leave. You don't want to watch. Awesome. I'm thinking. Barely rumpled my suit. Voilà. On les a eus. Par contre, attention, il y a plusieurs soldats ici et ils ont pas l'air que commodes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ils sont plusieurs. Ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Beware. Feel the heat. Red heat. Voilà. Attention. An intruder is in the lair. Kill them. Soon they will see red. Allez, on va aider Ivan parce que là il est un petit peu en difficulté. Sortez de là. Oh merde. Ah merde, bon, on a déverrouillé le succès, au moins ça c'est fait. Après 5 minutes de live, on va charger la dernière sauvegarde.
Bon, c'est pas grave. Pas de panique. On va retourner vite sur l'écran de domination mondiale. Alors, on a déjà nos choses à récupérer. Alors, ça, c'est quoi? Là, c'est le général. Là, c'est un soldat. Et là, c'est quoi? Hop. Ça doit être là, l'ours, non? J'ai pas assez de puissance d'émission. Ok. Donc, on va retourner à la base. Bon, ok. Les enquêteurs, c'est bon. Je vais replier un peu Ivan. Alors, si je le ramène à son sanctuaire qui est un peu à l'autre bout du monde. Being well rested is good for fighting. I love fighting. Oh là là, attends. Say Priglet to Crazy Eye. Muscles flexed. Voilà, ça va les calmer un peu. C'est bon, on en a eu un. On en a eu trois. Excellent. Task complete. Excellent. On a réussi à éliminer les soldats. Bon, c'était pas l'objectif le plus compliqué. Bon, maintenant il y a des 12 mortuaires à gogo. Mais on a aussi un petit souci de place parce qu'il faut agrandir notre caserne. Hein. Parce qu'on manque de sbires. Ça coûterait combien comme ça? Parce que là, il faut que je continue d'agrandir aussi le relais hein, pour la puissance. Je vais le faire tout de suite déjà. Hop, voilà. Salut Moman, comment vas-tu? Tu viens de louper une mort, donc tu le verras en replay ou dans l'une des VOD du jeu, donc qui arrivera d'ici un petit moment. Je me suis failli un petit peu, mais j'ai eu le succès Steam. On ne vit qu'une fois et je l'ai. Voilà. Bon, au moins il est débloqué celui-là, je voulais le débloquer le plus tard possible, mais malheureusement, bah, ça n'a pas été le cas. Au moins la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup. On doit juste récupérer ça. On va essayer d'améliorer un petit peu nos hommes de main aussi. Alors, je sais pas comment on fait pour. Alors, attends. Je vais essayer de trouver un agent ennemi, tiens. Ah, si j'arrive à en trouver un. Apparemment, ça marche pour des agents. Alors, c'est quoi ça? Construire un extincteur, on va le faire tout de suite. C'est pas le truc le plus compliqué, les extincteurs. On va en mettre un où? Je vais en mettre un là, tiens. Hop. Là, je suis en train d'améliorer ma caserne. Je vais essayer de monter à 70. Ah, ça va, j'ai regardé deux super matchs de rugby de Coupe d'Europe. Il y avait un match, je crois, c'était des Français contre des Anglais, si j'ai bien suivi, et un autre dont j'ai oublié. Donc là, la caserne va s'agrandir vite fait, c'est bien. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que nos gars viennent pas là. Il nous reste combien de techniciens, tiens? Alors, panneau de gestion des sbires, tu vois. Je ne me dis pas que je les ai tous perdus. Non, ça va, j'ai peur.
Bon, ok, ça c'est fait. Parce que bon, plus notre base va grandir, plus il va falloir augmenter tout ça, c'est sûr. Ah, il bosse bien, il n'y a pas à dire. Alors, on va le déplacer. On va mettre les casiers tout au fond. Ah, génial. Excellent, donc nos hommes de main vont devenir plus puissants. Ah bah c'est bien le rugby français dans toute sa gloire, ça c'est excellent. Je suis ravi d'entendre ça. On est à combien là? On est à 40. On va monter un petit peu tout ça. Rajoutons des lits. Il faut bien que nos employés soient ravis. Donc là, c'est pas mal. Alors, accédons aux recherches. Ça, on l'a terminé. Il y a trop de sbires dans votre base, vous ne pouvez plus recruter. Attends, laisse-moi déjà tout remettre à sa place, merci. Ah là là, ah, c'est sbire des fois, je te jure. Voilà, la cuisine, elle est bien pour le moment. En termes d'énergie, on est plutôt en avance, c'est cool. Là, les cadavres, ils dégagent. Alors, j'ai des objectifs à accomplir à l'appel. Je dois en construire 3 d'extincteurs. Ok, on va faire ça. Alors, les petits extincteurs par-ci, par-là. Donc, on en a un là. Je vais en rajouter un ici. Et le dernier, je vais le mettre ici, entre la salle de formation et tout ça. Parce qu'on risque d'en avoir besoin. Ok, notre ami Eli Barracuda récupère un peu de sa vie. Alors, je peux monter à 43 sbires, ouais. On va essayer de monter à 50 vite fait, tiens. Voilà. On va y arriver petit à petit. On va retourner sur l'écran de domination du monde. On manque de puissance d'émission. On va accélérer un petit peu tout ça. Alors là, il y a un point que j'aime bien supplémentaire par rapport au premier EV chez nous, c'est que là, on a une temporalité. Et ça, c'est agréable. Donc là, on accélère juste un petit peu vite fait. On va tout confirmer. Yeah, oui, je sais. Alors, je n'ai pas assez de puissance d'émission, tiens donc. Task complete. Ok, on a recruté tous les sbires déjà. Alors, les 5 soldats, c'était 5 soldats, Momon. 5 soldats, on les a tous eus. Ivan a utilisé son lance-roquette et ça s'est bien passé. Voilà. Bon bah ok, ça c'est cool. Ça fait quoi le mode scientifique? Allez, succès déverrouillé, 50 sbires, bam, et 2-2. On va essayer d'en faire un maximum possible de succès, bien sûr. Puissance d'émission, mais comment tu veux que je fasse ça, moi? C'est un truc qui se débloque comment?
Ouais, il faudrait que ça, je fasse 22 000. Bon, on va y arriver, mais bon. On va le faire tout de suite. Recherche. Research has begun. Alors, notre Ivan est revenu au sanctuaire, ça c'est excellent. Donc là c'est bien. Ouh, il va me falloir 25 000 pour un bureau de cette taille. Ah oui, je n'imaginais pas qu'il fallait un truc plus grand. Bon, au moins on sait que pour le long terme, il va nous en falloir un. On est déjà à 11%, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on a des visiteurs ici? Non. Research has been paused. Alors, on va retourner sur l'écran de domination. Est-ce qu'on peut faire encore des petites actions là sur nos zones? Pas mal de thunes. Alors, on va faire attention quand même. Alors là, on peut gagner jusqu'à 20 000 et là, jusqu'à 10 000. Et ben, on va exécuter cette machination ici. Et ici, on a 10 000. Et on a 20 000. Il nous faut le plus d'argent possible. C'est parti. Donc la faction Momon aussi, pour ton info, c'était le Hammer. Hein. Fallait s'en douter, puisque sachant que Ivan est rouge. Russe, pardon. Voilà, je vais y arriver, excuse-moi. On a été attaqué par eux, on les a éliminés. Les sbires, on les a recrutés tous. Là, il faut qu'on récupère toutes nos affaires et qu'on fasse les missions requises. Et tout le monde sera content. Et j'ai rejoué un petit peu les premiers Evil Genius cet après-midi. Il y a tellement de différences. Alors, optionnel, terminer un projet de recherche, ouais, d'imagination, ouais. Ça, on peut le faire, effectivement. Terminer le repérage du région, on peut le faire. Comme ça, là, on a ces deux-là. Donc dans le nord ici des États-Unis on peut plus rien faire. République centrale, c'est ça? Ah c'est ça là, ok. Mais bon, c'est pas la priorité pour le moment, c'est d'aller chercher. Bon là je joue un peu en accéléré, c'est juste pour essayer d'avancer un petit peu. Donc là, on se récupère pas mal d'argent. Research has been paused. On a 32% ici, c'est pas mal. Alors là, je pense que je vais améliorer ça. Ça, il nous reste encore ça. Comme ça, on pourra. Qu'est-ce qui va pas ici? Voilà, et là, ça passe. Pourquoi ça va pas? Attends. J'ai peut-être loupé un truc. On va déjà les construire. On va monter à 3 de puissance d'émission, c'est toujours un début. Allez, c'est parti. On a 55 sbires. Je pense que j'ai monté un petit peu les trucs dans la gestion des sbires. J'ai 6 gardes, j'ai 6 domestiques, j'ai 6 scientifiques, ouais. Je vais peut-être en rajouter deux là. Les gardes, je vais monter à 8.
Research has resumed. Comme ça, notre base sera un peu mieux gardée. On a des plans annexes aussi à faire. Je vais faire celui-là, le truc de butin là. Side story begun. Voler les archives dans le monde, ok. Il nous faut un niveau de réseau criminel de niveau 2 ici. Il va falloir faire la recherche aussi alors. Et on va récupérer en priorité l'ours d'Ivan. Donc l'ours c'est la priorité, comme ça on aura fait une quête en plus. Et après on récupérera les trucs qu'on nous demande dans l'Europe de l'Est, de l'Ouest et bien sûr la Russie. Donc à votre santé, je rappelle l'alcool toujours avec modération. Research has been paused. Alors. Research has resumed. On va avoir de la compagnie. Alors, on va les distraire. On va le distraire aussi. Et on va le distraire. Alors, attends. J'ai utilisé le pouvoir de l'ami Ellie. Ok, sélectionnez une cible, clic droit de la souris. Voilà, on va voir un petit peu ses pouvoirs. Ellie, on les a pas trop vus hier, puisqu'on avait à peine recruté l'ami. On a un domestique qui est décédé. Ça, c'est moyen cool. Donc notre recherche est à 60%, c'est pas mal. Alors, j'accélère un petit peu vite fait, bien sûr. New optional objective available. Qu'est-ce qu'il lui fait? Discuter avec les touristes avant, s'ils le faisaient pas, ça c'est cool. Not a problem. Il s'est trahi lui hein. I found that intruder found and killed. Your minions are in combat. Time to earn my... Allez, on va tenter de la capturer. Attention. Bon, il devrait faire le poids logiquement. Allez. Bon, c'est bien un coup de matraque. Bon, évidemment, il y avait des civils dans le coin, mais bon. Putain, les... En fait, ce que j'aime bien dans cet opus, Evil Genius, c'est que les gardes sont beaucoup plus grands
Les petits que les hommes de main, enfin que les hommes de main. Donc ça c'est plutôt un bon point je trouve. Il y a quand même du réalisme. Est-ce que je peux rajouter une dernière station de contrôle ici ou pas? Ah, pourquoi ça ne marche pas? Alors, ah, parce qu'on va couper l'accès, d'accord. Par contre, la porte, je vais la vendre et je vais la rebâtir. C'est une pièce clé, on va dire, de notre entreprise. Cette porte-là, je vais la vendre et je vais en mettre une plus puissante. Vous manquez d'énergie, construisez davantage de générateurs. Ok, ok. Et ben là, on va agrandir encore. T'es plus gros, plus gros, plus gros. Ah bah c'est bien. Ah bah oui. Tiens, parlant de spectacle, tu me fais penser à un truc. Oh. Oh, j'ai une idée. Faire un cacara, ok. Oh oh. You do not have enough power to sustain this build order. You're running low on power. Build more generators. Ok, on va avoir des enquêteurs supplémentaires sur le dos. Hop. You've run out of power. Build more generators. Oui, oui, je sais, je sais. Voilà. Bon, on n'a plus d'énergie, mais on n'a plus de pognon non plus. Dans une minute, on a des agents qui vont débarquer. J'essaie de le ramener dans le sanctuaire, tiens. Si ça fait quelque chose aussi pour les hommes de main. Est-ce que j'ai récupéré quelque chose ici? Ouais. Un petit peu plus d'argent. Bon là c'est un peu plus galère mais bon. Il y a des moments comme ça. Là on va construire la salle de spectacle comme ça ce sera fait. On va avoir plusieurs agents qui vont débarquer. 1, 2, 3, 4, peut-être 5. You're running out of gold. Maybe spend less or steal more. Bon. À mon avis, la cantine aussi va falloir l'agrandir un poil. Comme ça, on pourra avoir plus de sbires qui se nourrissent, quoi. Faudra 6 sbires, c'est assez peu, on est d'accord. I command you to locate and distract this intruder. There's an intruder here. Kill them. I want that intruder dead if you find them. Bon. Là, ça pue un peu, ils font très mal. Je vais mettre une alarme. Show you what a barracuda can do. Thank you.
Voilà. On a plusieurs gardes qui sont... Plusieurs trucs qui sont morts ici. Ça a été un peu foutoir. En fait, je vais déplacer le truc là. Ouais, ouais, c'est la mêlée, clairement. Voilà, tout va bien. You're running low on power. Build more generators. Au niveau générateur, on est large. Au niveau de la domination du monde, ça se passe comment ici? Bon. Optional objective complete. Objectif optionnel complet. Regardez ça, se débarrasser des corps. Hop, 3000. Exécuter un technicien. On m'a demandé d'exécuter un technicien. Bah c'est bien, allons-y. I'm thinking. Il est où le technicien? A traitor in our ranks. Si ça peut nous faire gagner des points gratos, hein, du fric. Moi je dis oui. Faut être pragmatique des fois, hein, sur la situation. Là les gardes ils sont entre eux, ils font une partie de cartes, tout se passe bien. Tatouage honteux, même à 18 ans ce tatouage était nul. A peur des gros chiens, surtout des chiens, surtout des gros. Bonne hypercute, paf. Et le pollen est son pire ennemi. Est-ce que je devrais pas rajouter des tableaux de recherche supplémentaires? Ça accroîtrait la vitesse de nos recherches. Je vais faire ça tout de suite. Et plus tard, on se prendra, on achètera une base de données. Ça va nous aider, ça. Allez, hop. Merci. An agent has escaped captivity. Et je crois qu'il y en a un qu'on va, on va tout de suite interroger. Voilà. Bon, ça va, ils sont bien traités les prisonniers, ils ont des chiottes. Interrogation success. Yes. The agent has given us their secrets. Attends quoi? Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. Je vais peut-être recruter d'autres scientifiques. Bah j'en ai déjà assez, tu me diras. On est plutôt bien. Qu'est-ce qui nous manquerait? Bon, déjà le sanctuaire, on va l'améliorer. On va en avoir besoin pour nos futures opérations. On est bien là comme ça. Je pense qu'avec ces améliorations, on va être pas mal. Ah, on a trouvé comment on soigne notre Avigenius. Ah bah c'est bien. Alors ici. On a découvert la porte blindée, ça on l'a fait. Au niveau des sbires, qu'est-ce qu'on peut encore rechercher?
Au niveau des pièges, on a quoi là? Améliorer les hommes de main, c'est... Alors l'homme de main, c'est fait. On va améliorer le génie. Ouais, ouais, Momon. Alors je m'en souvenais plus, mais dans le premier, je crois que tu pouvais faire la même chose aussi. Ce qui est plutôt cohérent, tu vois. Alors on a de la puissance d'émission. Alors on va retourner sur la domination. C'est parti. Et on va tout de suite récupérer nos effets personnels aussi, hein, c'est très important. Ok. Le réseau criminel est en cours de construction, comme vous pouvez le voir. A new criminal network has been established. Il nous manque 8000 dollars, ok. Research has been paused. Voilà. Ouais, je sais. On a assez de techniciens, je pense. Peut-être en rajouter deux de plus, non? On va rajouter deux techniciens de plus si on peut faire tourner la base. Alors, 26... monter hein. On peut encore monter nos gars, mais bon, bon tant pis. Research has resumed. Plus on a un technicien, mieux c'est, bien sûr. Là, notre génie va gagner 52 chaque caractéristique, ça va être très intéressant. Et là, on aura de la place pour notre super bureau. Eh oui. Alors, est-ce que je peux essayer de regagner des points de vie, un truc comme ça avec lui? Je vais essayer de voir si c'est la même chose ou pas. Bon, les projets de recherche, on est pas mal. Il nous manque des repérages précis. Hein. Voilà. On va accélérer un petit peu le temps d'obtenir l'argent qu'il nous faut. Research has been paused. Il va nous falloir 25 minutes. Hein. On va accélérer. En attendant, on va retourner à la maison, on va surveiller un peu ce qui se passe. Il n'y a pas des agents qui veulent venir embêter le monde. Research has resumed. Je
Je vais le déplacer plutôt lui. Oh, tu peux pas le mettre. Hop, on va le déplacer là. Ils sont trois là, ça va. Oh, il a pris cher. On les tue tous. Research has been paused. Il régénère sa vie, on dirait. Donc là, on a 16 millions sur, sur 55 qui peuvent aussi aller se coucher, mais voilà, la cuisine, il faut le mess, il faut l'agrandir. Hein. Alors ici, qu'est-ce que comment qu'on fait? Research has resumed. Voilà. On va étendre nos cuisines parce que là, nos minions en ont besoin. J'avais pas une infirmerie, il peut pas aller là-dedans lui. On va essayer de mettre un petit siège là, juste pour la déco. On les chope et on les tue. Ouais. Allez, général. Un pion face à un roi. Bon, ok, ça c'est fait. J'aime mieux la sécurité de mes portes aussi, tiens. Peut-être rajouter deux valets, allez, supplémentaires. Je pense que je vais aussi rajouter une case, des casiers ici en renfort. Research has resumed. Plus on aura de casiers et de sbires contents, mieux ce sera, on va dire. Merde, je me suis trompé de salle, c'est ça? Alors comment on fait pour supprimer un truc? Ah putain, je me suis planté.
Ah bah attends, j'ai une idée. Hop, ni vu ni connu. On n'a rien vu. Vous n'avez rien vu, je n'ai rien vu. Bon. On est plutôt pas mal. Bientôt, on va récupérer notre ami l'ours. Et après, on ira faire un petit peu de tourisme en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. Et je pense que le réseau là, je vais le péter. Pour l'instant. Ok, génial. Il récupère bien. Et là, notre ami Ivan qui fait le zouave. Hein. Et ici, on va essayer d'agrandir un petit peu. On va mettre davantage de trucs interactifs. Je pense qu'on va agrandir. Hein. On va annuler celui-là. Ouais! Notre génie a plus de points de vie, ça c'est très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? On peut faire des pièges. Mais bon, pour le moment, on va pas. C'est pas la peine. On va garder des sous pour notre opération. Alors, maintenant, on va faire quoi? On va enfin agrandir le bon type de salle. C'est la salle du personnel, non? C'est le réfectoire où nos sbires doivent se restaurer. Voilà. Voilà, on va déjà en rajouter deux. À mon avis, je crois que dans les recherches, je vais regarder, mais je pense qu'on peut avoir des meilleurs générateurs. Hein. Je vais revérifier. Je dirais dans la base. Générateur nucléaire. Générateur à fusion. Et on peut excaver toutes les pierres à la fin. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, je pense qu'on plus tard, dès que possible, on fera les escaliers. Bon, ça va. Tout va bien. Ce qui est dommage, c'est quand on ne brûle pas des décors, on n'a pas une petite réserve aussi supplémentaire. Ça pourrait être cohérent. Hein. Bon, là, ça se passe bien. Pour le moment, on n'a plus d'agents. On va avoir une nouvelle vague d'enquêteurs qui va débarquer. Oh. Les enquêteurs sont arrivés, beware. Not a problem. Ils sont combien? Où sont les vilains enquêteurs, là? On a réussi notre machination, génial. On n'a pas assez d'argent, malheureusement, on va le cumuler.
Ouais, il y en a, ils se permettent certaines choses, hein, c'est clair. Ils sont 5. Oh là là, ils sont chiants. Alors ça va, on va en difficile. Je trouve que pour le moment, je m'en sors bien. J'ai jamais testé le difficile sur le premier opus. Alors, on va essayer de distraire, non? Alors, déjà, on les chope et on les tabasse. Qu'est-ce qu'on bouffe, on perd d'argent. Voilà. Ah, je crois qu'on a atteint l'objectif au second optionnel de maintenir au moins une minute en alerte, c'est ça? Ouais, alerte rouge 60 secondes. On récupère 10 fonds et on va partir tout de suite faire récupérer notre ours. On va pas trop traîner. Alors, salut Michmoun, comment vas-tu? Ah, ça se passe bien, on avance. Bon, là, on commence les âpres d'un coup d'état. On va récupérer notre ours. Parce que, apparemment, Ivan le Rouge avait un ours. On fait de son mieux, on fait de son mieux, Michmoun. Quand vous voulez. On a continué d'agrandir nos casernes. On a quoi? On peut monter jusqu'à 70 birs bientôt, c'est plutôt cool. En termes de recherche, on a quasiment toutes les premières recherches de niveau 1. Là, ce qu'il faudrait qu'on fasse à l'occasion, ça serait de continuer les pièges. Là, la recherche de ça aussi. Il y a plusieurs recherches à faire. Ah. On a plus assez d'or, tiens donc. Évidemment, l'entretien, ça coûte cher. J'ai aussi agrandi un petit peu le casino. J'ai laissé les tables à roulotte ici. J'ai mis aussi une scène de spectacle là. Ça peut toujours servir. Donc, ça va. On fait au mieux. Et on a agrandi aussi un peu le mess, tiens. On va l'agrandir aussi. Voilà, tout va bien. Comme ça, là, on aura une cuisine un petit peu plus grande. Enfin, un réfecteur un peu plus grand. Même si 9, ça fait très peu. Coule à flou, je dirais pas ça. Mais Schmick, on s'en sort plutôt pas mal. Mais c'est pas encore ça. Là, l'idée, c'est que si j'arrive à améliorer mes repères au niveau 2, bah, je pourrais faire plus d'argent rapidement au niveau en termes de passif. On a trouvé un moyen de soigner notre Evil Genius, notre génie. En vrai, il fallait juste construire un petit bureau impressionnant. Et voilà. Donc du coup, notre camarade Ivan est en train de faire le zouave depuis un petit moment. Allez, viens là, toi. Da. Camarade. Bon, vous foutez quoi avec mon ours, les glandus, là? Attends, quoi? Ah, on n'a plus de pognon. Ah, ça, c'est con, hein.
Ah, il faudra aussi aller là récupérer. Alors, on a un général à récupérer donc au Japon. On a tous. Alors, j'ai les objectifs. Récupérer nos effets ici. Récupérer le second général là. On a nos soldats ici. Tu vas pas me dire qu'il y en a qui s'est planqué je sais pas où. Allez, on va accélérer tout ça. Chef, on est pauvre, c'est ça, Momon. On va pas se le cacher, c'est le cas. Et pour cette première heure de VOD, on a. Alors, t'as échappé, j'ai réussi à me faire tuer au début. J'ai mal géré mon coup. Hein. Mais j'ai eu un succès Steam pour ça, et j'en suis ravi. On a déjà bientôt 15 succès Steam, et on va y arriver. Hein. Je vais essayer de faire tous les succès avec Ivan. Dont... Et je finirai le jour difficile avec les génieux. C'est aussi. Un succès, donc on va le faire. Je ferai peut-être les 4, mais pas tous en vidéo. Hein. À moins qu'il y ait. Je ferai peut-être un autre Evil Genius s'il y a un DLC qui sort. Qui sait. J'ai pas d'infos sur le sujet, ne me demandez pas. Le jeu vient de sortir. Alors on a terminé quoi 5 machinations. Former des techniciens, on va le faire aussi, ça. Bah, justement, on peut le faire facilement, ça. En tuant un technicien. Allez, viens à toi. Comme ça, on pourra en former un autre. Et on gagnera un peu d'argent supplémentaire. Et là, normalement, c'est bon. Allez. Il nous faut notre ours. Hein, et ça va. Hein. Par contre, on va se reprendre une attaque dans la figure. Vous allez voir. Eh, dites donc là, ça traîne un peu tout ça. Oh, on avait un ouvrier ex-membre du Hammer. Je suis sûr dans les touristes, il y en a un qui... qui doit être un agent. Une intuition, hein. Task complete. Il n'y a pas de frigo, Mishmunk, dans le jeu. T'as juste les incinérateurs, justement. Dans le 1, effectivement, on pouvait faire ça. Donc là, j'ai mis une porte sécurité niveau 2, mais à fond, ça évitera des problèmes, quoi. On a récupéré nos effets personnels. Bon, bah c'est pas mal. Ouais, bah au moins ça règle, on règle le problème, on va dire. Ramenez-moi mon camarade ours là. Alors. Bon, apparemment, on ne verra pas nounours à Ivan. Alors, oh, on peut personnaliser le sanctuaire d'Ivan, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va déjà rajouter ces petits gadgets. Et mon nounours, là. Ah, bah voilà. L'ours apprivoisé par Ivan le Rouge dans son enfance. On rend compte que Mishka était le premier véritable ennemi d'Ivan. Bah, let's go. C'est un ours empaillé. Je croyais que c'était un ours vivant, moi. Le mec. Voilà. Donc ça, c'est le premier béret d'Ivan. Ok, bon, c'est pas mal. On va juste... alors, on va retourner dans les opérations d'influence.
Ici. On va secourir nos soldats. Et on va s'arrêter là pour cette première partie du stream. J'espère que ça vous a plu, les amis. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.